Alexis Lapointe était un bien drôle d'animal. Il avait des springs dans ses running. C'était un athlète phénoménal. Allez faire un tour au lac Saint-Jean, puis trouvez-vous un centenaire, il vous le dira tout de go. Bruny-sur-Ain, c'est de la petite bière. À petite école et au village, quand on le traitait de cabochon, son père disait, tel un vieux sage, avec tes jambes, tu vas te faire un nom. Il galopait soir et matin, en faisant swinguer ses grandes cannes. Tout le monde s'installait sur le perron pour assister à ses shows de boucan. Investisseur s'intéressa au phénomène, se dit qu'en l'exploitant un peu, il pourra faire une coupe de scène. Et à partir de ce jour-là, on l'exhiba dans des foires et des quatre coins du royaume. Tout le monde se pressait pour le voir sur le plus rapide des purs sangs. Il l'emportait haut la main, pas essouffler l'air innocent. Il distançait même les trains, sa légende gagna du terrain, franchit les frontières du pays, trouva l'oreille d'un promoteur quelque part aux États-Unis. C'est sûr, tu vas finir par frapper ton mur. Tu t'essouffles pour épater la galerie. N'acceptant pas d'être second, comme tout bon Américain, le promoteur défia notre homme de venir affronter son poulain. Piqué à vif dans leur orgueil, toutes les bonnes gens du canton cassèrent leur cochon pour payer un billet de train à leur champion. Non seulement du gros cash en jeu, mais notre fierté nationale pour qu'Alexis performe mieux. Eut droit au service 4 étoiles dans l'hôtel le plus luxueux. On lui paya la meilleure chambre et en cadeau un 41 pour qu'il se frictionne les jambes. Notre athlète possédait du cheval tous les attributs. Il y avait la jugeote d'un mulet, le génie, c'était pas sa plus grande vertu. La veille de la grande compétition, le trotteur parti sur la rumba, cala son alcool à friction. En compagnie de filles de joie, le lendemain de brosse, son beau carrosse s'était transformé en citrouille. La gueule de bois, les yeux dans le beurre, il a eu l'air d'une vraie picouille. De retour au royaume du bleuet, la défaite fut dure à avaler. Devant une telle déconfiture, tout le canton laissa tomber. Sur la galerie, hey, tu te prends pour quoi? Tu te prends pour qui? T'as pogné ta débarque? Où sont tes vrais amis? Triste comme une bête de cirque, ne connaissant que son numéro, s'accrochait à sa gloire passée pendant qu'on riait dans son dos. Sans public, sans chapiteau, a bien fallu se trouver une job ordinaire. Alexis s'engagea au CNR pour y bâtir des chemins de fer. Il usa ce qui lui restait de santé à piocher au bruit des moteurs, en revivant dans ses pensées toutes ses courses comme des chevaux vapeur. Un jour qu'il breakait pour le lunch en janvier 1924, comme d'habitude vers la cantine, il marchait lentement sur la traque. Une ombre noire le suivait, s'en était-il seulement aperçu. Le chauffeur de la locomotive, à sa démarche, l'a reconnu. Hey, on va rire, je vais faire une farce au fameux Alexis le trotteur. Je lui envoie deux petits coups de sifflette et je pousse à fond les moteurs. Mais Alexis était rendu sourd, pas entendu venir le train. La machine lui passa sur le corps comme une jambette du destin. Le train lui broya les deux jambes, ses deux seuls fidèles amis. Il traversa le fil d'arrivée et ce jour-là, personne ne rit. Ah!